Tout d'abord, je salue tous les amis, tous les camarades qui sont toujours branchés et absurdes, moi, le plus souvent, les m'a fait vidéo. Tout d'abord, je vais inviter nos chers amis pour nous capables de faire live là, parce que je vais faire une analyse avec nous sur une crise actuellement, tension qui gagne entre les États-Unis et l'Iran. Les amis, et Casales, comment est-ce que vous êtes? Partagez live là pour moi, s'il vous plaît. Et pour l'autre monde qui a une opportunité pour vous. Écoutez, depuis quelques temps, j'ai un ami, un bon ami qui relève, qui dit bon, la voisine, comment ça passe? Est-ce qu'il y a une possibilité pour gagner une troisième guerre mondiale? Quelqu'un qui relève, qui dit bon, la voisine, qui opinion, qui position par rapport avec cette tension qui existait entre Washington avec Téhéran, actuellement là, entre les États-Unis et l'Iran? Et il y a un pile de monde, moi, qu'on est tout d'abord, qui n'a pas aucune maîtrise de données géopolitiques et stratégiques à travers ça qui a passé, surtout pas aucune connaissance géopolitique et stratégique du Moyen-Orient et qui rôle que l'Iran joue en tant qu'un acteur régional dans le Moyen-Orient. Et faut me dire tout que, et on va essayer bah nous analyser avec nous quelques données, m'inviter nous encore une fois de plus partager live là pour moi sur des groupes afin que d'autres monde capable voir live ça. Et grand pile monde, bien entendu mes chers amis, qui peut-être que yo gagnent des une haine, une sorte de haine vis-à-vis des États-Unis par rapport avec son impérialisme, sa domination et son hégémonie au niveau mondial, que ce soit hégémonie militaire, que ce soit hégémonie financière, économique, whatever it is, un sentiment d'anti-américanisme qui a véhiculé à travers les réseaux sociaux et surtout à travers les pays tels que en Haïti. Nous connaissons grand pile monde qui a un problème avec les États-Unis par rapport à leur positionnement et comment les rapports que nous développons avec les États-Unis, son impérialisme qui est sauvage à travers le monde. Maintenant, écoutez, je ne vais pas entrer, je ne vais pas faire analyse avec sentiment. Tout d'abord, une partie du postulat que mettez à côté les sentiments, que ce soit sentiment de haine ou sentiment d'ami et de sympathie vis-à-vis des États-Unis, dynamique dans le travail que je vais faire. Cependant, je vais analyser les données, je vais faire un travail de façon méthodique et scientifique qui vous permettre à ce que nous capables d'avoir une idée, nous capables d'avoir une compréhension tout à fait exacte de comment évolution, situation, crise qui existe, tension actuellement là, qui existe entre Washington et Téhéran et qui perspective qui est capable de gagner. Tout d'abord, on va avancer, on va énumérer les grands points. Premier point, on va l'énumérer pour nous. D'abord, on va faire une historicité, on va faire un petit rappel historique pour nous de l'Iran et rapport Iran gain développé avec les États-Unis au cours de pendant une période de temps. Et deuxièmement, on va mettre en évidence les capacités militaires de chaque monsieur ça, chaque acteur ça, les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et troisième élément, je vais analyser avec nous les enjeux géopolitiques et stratégiques que ça va gagner sous non seulement sur l'économie mondiale, là, mais éventuellement sous le rapport de force qui est capable d'exister entre, bien évidemment, les différents acteurs au niveau international qui, le plus souvent, acteurs sont capables de des supports pour éventuellement d'escalader les situations pour situation pas arriver dans une situation beaucoup plus compliquée. Comment est-ce que c'est diplomatie qui parle et option, bon, ou bien c'est option militaire qui parle fait? I don't know. Bon, cependant, nous allons essayer de garder ensemble pour nous voir qui ça parle fait. Mais comment l'événement passé, je ne vous dis. Il y a un général iranien qui a été Soleimani. Soleimani, son général iranien, et pas oublié, Iran fait révolution iranienne, la révolution islamique qui était faite en Iran en 1979. Révolution islamique, ça, il a vidé Chahaté automatiquement et il a établi, révolution établie, ça aurait la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran, iranienne, République ça, les vingt en tête, ça aurait les yon guide suprême qui c'est yon guide qui c'est yon religieux normalement et yon ayatollah, et normalement c'est lui-même qui c'est guide suprême, là. C'est lui qui conseille dernière instance, là, qui capable de position. Cependant,
puisque son république, il est vrai que l'Iran a un président, il y a un premier ministre, mais c'est guide ça vraiment qui est capable de dire qui vraiment force, qui vraiment force morale et spirituelle et autorité morale et spirituelle et révolution. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que depuis la révolution, ça a été fait en 1979, une petite tension qui existait parce que tu as gagné une prise d'otage qui était faite dans l'ambassade américaine qui était attaquée à Téhéran. Dans la prise d'otage, il y a 52 Américains qui ont été en otage, les Iraniens, révolutionnaires, qui ont été en otage dans l'ambassade américaine qui était en Iran, qui a été en Iran. En 1979, c'était une grosse crise d'été pour les États-Unis d'Amérique parce que et 52 Américains et pris en otage. Et Américains pour obligé de mettre dans une situation pour le défendre vio, pour négocier libération 52 au Tazayo. Et n'a pas l'air que Donald Trump fait un tweet, il dit que il cible 52 sites américains, 52 sites iraniens, pour le frapper, pour le ritalier, si l'Iran t'a permis de le ritalier. Ça veut dire pour un peu de monde qui ne peut pas comprendre. Et si tension ça qui existait depuis les révolutions islamiques en fait en Iran, l'islam, il y a deux grands courants en dedans l'islam qui posent problème, qui toujours dans conflit dans le Moyen-Orient. Il y a un groupe là-dedans, les sunnites, qui représentent 80% musulmans, c'est sunnites, mais il y a un groupe qui est beaucoup plus radical, qui représentait bien entendu Les chiites avec la révolution iranienne, les chiites sont arrivés au pouvoir. La révolution islamique en 1979, les chiites arrivés au pouvoir. Mais pas oublier, dans le monde islamique, là, les chiites, c'est eux qui sont en minorité. Mais tout l'autre pays en majorité, c'est les sunnites qui dominent, c'est les sunnites qui sont en majorité. C'est-à-dire que dans le monde musulman, 80% du monde musulman qui est dans le monde là, c'est sunnite yo 13% dans le monde là 13% qui rete a c'est chiite yo les chiites sont beaucoup plus radicales yo même yo très radicaux sous position yo très idéologique très ancré dans l'islam yo une vision de l'islam qui est extrêmement et violent mais les sunnites yo même yo une vision de l'islam qui est beaucoup plus modérée. Alors il faut comprendre que ces deux tendances théologique. Alors, c'est une scission théologique liée qui a un rapport avec l'interprétation du Coran. C'est l'interprétation Coran, une interprétation qui est beaucoup plus douce du Coran que M. Sunit Yubay, théologie sunnite l'a développé, mais une interprétation qui est beaucoup plus dure, plus solide et que Chinit est sauvé. Et pas oublier tout, pendant un certain nombre de temps, ce sont les sunnites de majoritaire qui ont dominé les différentes dynasties dans le Moyen-Orient. Avec la révolution islamique de 1979, c'est pour la première fois dans l'histoire que les sunnites, que les chiites minoritaires prennent le pouvoir en Iran. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que, en dehors de division, ça, Arabie Saoudite qui est dans la région, qui sont véritables forces, Arabie Saoudite prend le signe des accords avec les États-Unis pour protéger lui en cas de guerre. C'est ce qu'on appelle un accord de protectorat. Depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis, bien entendu, qui assuraient la protection, militaire, la défense militaire de l'Arabie Saoudite. En échange, l'Arabie Saoudite permet à les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Non. Le problème qui se pose, c'est que là, l'Arabie Saoudite toujours considéré l'Iran comme une menace. Pour quelle raison? Parce que l'Arabie Saoudite, majorité Arabie Saoudite, royaume non, en soi, yo chiite. Mais, yo sunnite, mais chiite yo même, yo en Arabie et en Iran. Et problème ça, ce conflit ethnique ça qui existait à l'intérieur de l'islam, non, c'est un premier sous-conflit, division qui gagne en dedans monde islamique. Non. Et c'est ça qui fait nous parler que les sunnites, eux-mêmes, sont toujours pro-américains. Les sunnites, sont pro-américains. Mais les chiites, eux-mêmes, sont le plus souvent anti-américains. Ils ne sont pas aimés américains. Et c'est ça qui fait nous parler que les sunnites, les chiites, eux-mêmes, nous jeunes au Liban avec
Hezbollah, c'est un non, mouvement chiite au Liban, dans le sud du Liban, qui est extrêmement radicalisé, anti-américain rouge, le Hezbollah. Nous avons aussi les Alaouites en Syrie, qui prend pouvoir en Syrie depuis 1966. Il a dirigé, pas oublié, et Al-Assad lui-même, c'est un chiite lié. Tout ça a expliqué en gros tension qui existait entre ces deux courants à l'intérieur de l'islam. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que général iranien qui mourit, hein, monsieur c'est un chiite, monsieur c'était bons amis américains et iraniens. Hein. Et là où tu es, monsieur, c'est un drone américain qui tire, monsieur. Mais ça, les États-Unis reprochent. Soleimani reproche Soleimani t'es toujours à coordonner yon ensemble de attentats qu'a fait sous et soldats américains pour cibler à coordonner une série de attentats sous base américain gagné en Irak. Effectivement que c'est dans airport presque dans airport Irak là que et drone américain est explosé et puisque Soleimani son général qui était vraiment respecté dans le monde chiite, dans le monde islamique, là, son nèg qui était vraiment respecté, il y aurait mis son figure pour Iranien, yo, et bien ça vient poser un gros Iranien parce que yo prend un mauvais coup. C'est comme si nous avons son petit ou pire aimé, et monsieur prend coup ça là, et c'est tout l'Iran qui prend coup. Et nous capables à travers les médias comment et tension dégénérer l'autre bois. Tout le monde dit et iranien met quand la rue manifestation a fait bagaille en termes monsieur en pile monde levé petite fille monsieur a pour monter sur les créneaux pour le parler pour le dire bon qu'on s'est passé n'a pas attaqué n'a fait revanche quand même patati patata en pile monde a parlé vous remontez bon écoutez ça c'est tension c'est normal parce que vous prend c'est l'orgueil vous touché parce que monsieur son figure mythique mais yon nan bagaille qui connaît c'est que Iran te pas de penser que l'Américain t'a pas le moyen m'oublie comme ça. C'est là le problème. Nan. Mais, pas oublier. Avant Donald Trump est allié là, pile monde qui pas comprendre ça, m'a dit ça pour nous là, pour tout le monde qui voulait entendre. Avant ouais, Donald Trump est allié là, frappé monsieur, d'après information que communauté et intelligence américaine n'a pas Donald Trump avant de frapper monsieur, femme dit nous que Iran te frappé tout en série de te porté des attaques aussi contre les États-Unis contre intérêts américains. Après on va dire mais première attaque qui Iran te fait, Iran te vidé à terre un drone américain. Un drone militaire américain, Iran te frappé li militaire Iran yo, l'armée iranienne te frappé et te écrasé li drone non. Bon, et américain pas très allié, yo te calmé sous ça dossier à te fret. Deuxième bagaille Iran fait, c'est que Iran te frappé sa ou le Arabie Saoudite et nan installation et infrastructure pétrolière à Arabie Saoudite yo, sa ou le Aramco, à compagnie pétrolière Arabie Saoudite. Lan. Or, Pabli MT dit nous que Arabie Saoudite avec les États-Unis te signé un accord après la Deuxième Guerre mondiale là pour les États-Unis exploiter pétrole Arabie Saoudite. En retour, les États-Unis a protégé militairement, a assuré défense militaire à l'Arabie Saoudite. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'Iran frappé deux intérêts américains, pas de jambes escaladés, pas de jambes dit en rien. Mais ça ne veut pas dire pourtant que Américain, pas de gueule, bagaille qui cachait. Trump lui-même, pas de jambes dit qu'il ne peut pas frapper. Premier message Trump voyait, bye, Negio, c'est le Trump retiré Colin dans l'accord, sur le nucléaire là qui était signé le 9 juillet 1915 et 2015. Hein. Trump retiré Colin, il voit un message direct, bye, les pas dans l'accord ça, de façon unilatérale, tu as retiré le col la donne, il dit pas dans le bagage ça avec Iran. Tu as renforcé sanctions contre l'Iran. Sanctions économiques. Il y a un monde qui va dire que sanctions économiques n'ont pas vraiment gros. Oui, sanctions économiques n'ont pas gros en pile. Ça tu as fait lui-même, les sanctions. C'est que l'Iran a fixé économiquement l'Iran
Parce que l'Iran est bloqué. Il est bloqué. L'Iran pour l'Iran pas qu'à vendre pétrole ni by et la Chine ni by une série de pays et dans moyen et en dedans et l'OMC. Maintenant, on va dire oui, ça a une conséquence économique. Ça a une conséquence économique grave sur l'économie et l'Iran parce que normalement, l'Iran n'a pas qu'à vendre pétrole lié à Jean qui a supposé vendre pétrole lié avec la Chine qui besoin pétrole, avec la Russie ça veut dire sanctions économiques qui sont imposées sur l'Iran, ils vraiment fait l'Iran mal. Et c'est ça qu'on va l'expliquer que si sanctions on va le faire Iran obligé à attaquer de temps en temps voyez petit coup de temps en temps by les États-Unis attaquer drone américain yo militaire américain la geti ti attaquer infrastructure pétrolière et Arabie Saoudite yo mais yon nan ennemi majeur Iran gagne nan Moyen-Orient c'est pas ni l'Arabie Saoudite c'est Israël. Et nous parlons bien. Mais yo dit, premier bagay yon pral attaquer, c'est l'Israël. Si tu as vraiment un bagay, yon pral marrer mon Israël. C'est-à-dire, premier monde qui concerne pour sécurité li, vis-à-vis de l'Iran, c'est Israël. Et pas oublier, m'a dit non, petit bagay extrêmement important. Israël, non, moi, un Orient, c'est celle Israël qui gagne zam nucléaire. Israël gagne zam nucléaire, non, men. Et Israël prêt pour le défendre territoire contre l'Iran. Clair. Et Israël qui a des armes nucléaires solides li nan men. Et l'Iran lui-même voulait posséder des armes nucléaires et tout pour le capable ça voulait craser. Effacer Jean Walter était habitué dit là faut et goal objectif Iran c'est effacer Israël dans Moyen-Orient que considérer Israël comme un allié et l'Occident dans Moyen-Orient parce que nèg yo gon vision, l'Iran développe une vision de Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est pour bien entendu les islamiques, les musulmans. Mais Israël pour yo son problème. Or, Israël avec les États-Unis, c'est allié et Israël gen base américaine en Israël, gen deux bases militaires américaines en Israël, gen deux bases militaires américaines en Arabie Saoudite, gen une base militaire américaine et Omar, gen une base militaire américaine Djibouti, gen une base militaire américaine et Émirats Arabes, puis deux bases américaines en Corée, gen une base américaine et en Irak, ça veut dire, militairement parlant, Iran entouré par base militaire américaine. Tout pays, ça, on se cite là, ce sont des pays qui signent des accords avec les États-Unis pour les États-Unis mettre base militaire dans le pays. Et tout pays, ça, on se cite là, c'est pays qui entourent l'Iran. Depuis commencer sous Irak, passer par Corée, tomber dans Émirat Arabes Unis, tomber passer par Israël, tomber en Turquie, Oman, Arab en Djibouti. Tout pays ça yo américain qui base militaire li dans dernier classe pays ça yo face avec Iran. Iran problème Iran gen et Iran senti li tout fait. Iran senti que li encadré. Iran senti que présence américain dans Moyen-Orient li pas fait bien, li pas à l'aise parce que pas oublier c'est seul en république islamique et chit yo même qui en majorité qui minoritaire bien entendu dans mode musulman yo normalement pose problème par rapport avec les sunnites. Sunnites yo pas senti yo à l'aise avec bien entendu lorsque les chit arrivé au pouvoir. Pas oublier dans guerre Irak là en 2003 les fin voyer les fin tuer Saddam Hussein, qui est-ce qui montait au pouvoir en Irak? Ce sont les chit. Pour la première fois dans l'histoire, les chiites pourraient monter au pouvoir en Irak. Et c'est ça qui explique aujourd'hui que le Parlement irakien votait pour militaire américain. Or, Trump clair sur lui, Trump dit que si Negio, si quitte l'Irak, il n'y a pas de problème. Mais après, Trump dit qu'il a mis une sanction sur l'Irak. Effectivement, il y a quand même. Qui a mis une sanction économique sur l'Irak.
Or, le problème qui se pose, c'est que si ni tu es prêt pour prendre pouvoir tout, et c'est ça qu'a fait la journée aujourd'hui. Là. Maintenant, il y a mon cap dit, oui, il y a la troisième guerre mondiale. Mais si il y a la troisième guerre mondiale, il y a plusieurs raisons qui ne font pas la troisième guerre mondiale. Hein? Bal ba nou première raison qui fait pas carré troisième guerre mondiale. Gen moun ki di oui yo et Kim Jong te parlé par rapport Corée du Nord te parlé. Corée du Nord gen intérêt par rapport Corée du Nord de liste fait partie de liste non pays et pour yo vinn changer en démocratie. Son bagay ki clair lié Iran, yo gen pou yo renverser révolution Iran pour yo installer. Ça son bagay comme si c'est un bagay qui fait partie de programme de vision les États-Unis ne pour planète là. Tout côté qui gagne régime autoritaire logiquement parlant, yo prêt petit à fond lisse pour yo vidéo à tête. Parce que yo gen intérêt pour yo mettre à tête. Gon raison qui fait pour yo mettre à tête et après yo gagne pas gagne. Il finit à il fait la France prend Kadhafi, prend et Irak, Saddam Hussein, yo manke prend et la Syrie parce que la Russie obligé négocier pour la Syrie. Maintenant, yo rive dans Iran. Maintenant, quel problème qui va le passer? Est-ce que ka gon troisième guerre mondiale? Non, pas ka gon troisième guerre mondiale pour la simple bonne raison parce que Iran pas gen capacité militaire, pas gen capacité missile. Iran gen yo c'est missile qui tiré à peu près 2000 miles, c'est-à-dire capacité militaire li, et pour le frapper, c'est plus capable d'où, c'est plus missile, monsieur, c'est plus constitue une menace pour Israël au lieu d'arriver sur les États-Unis. C'est-à-dire c'est plus Israël qui plus concerné par menace iranienne non, que les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que là tout est-ce que gain alliance stratégique et Iran la Russie pas prend chance tout et la et m'était capable dire nous ça la Chine pas fait ça tout la Chine pas prend chance tout parce que normalement ni la Chine ni la... bien entendu avec si pas depuis quelque temps la Russie entre colle dans le capitalisme de même aussi pour la Chine entre col dans le capitalisme, ou ouvert économie by capitaliste. Hein? So basically, ça pas un building, ça pas un problème pour nèg. Yo simplement gen des intérêts stratégiques par rapport avec comment yo besoin de pétrole. Yo nous connaît la Chine, li besoin de pétrole li et nan men Iran pour économie ka fonctionner. Puis l'Iran et la Russie tout, c'est presque même situation. Ceci étant dit que est-ce que vraiment il y a une menace qui pesait pour les États-Unis. Est-ce que une capacité militaire qui cap frappé si tu as gagné, est-ce que États-Unis gagne pour le roi Abaoudi? Non. États-Unis pas besoin inquiéter de pas caca inquiéter et c'est ça te fait Trump tellement connaît ça bien. Trump dit si nèg yo, si Iran t'a continué frapper yon nan américain, quel que soit intérêt américain, quel que soit à côté lié dans planète là. La main Iran. Et américain qui a capacité pour le moyen Iran, tout le monde comme ça. Avec des gens pile moun sur les réseaux sociaux qui pas vraiment bien imbu de capacité militaire américaine, qui pas fait vraiment aucune étude de géoprésence américaine dans le Moyen-Orient et capacité pour américain frapper Iran, yo pas contre capacité militaire Iran tout. Et so basically yo just parce que yo gon haine vis-à-vis des États-Unis et puis yo just appelé mais yo à partir de haine ça, yo ta remé. Écoutez, le problème qui gagne, c'est que l'Amérique est à peine employé là, présence li. Et plus de 30 hommes. À peine là, ils se déployé là, pour menace qui fait là. Donc, basically, est-ce que vous renforcez tout dispositif de sécurité dans tout airport aux États-Unis? Yo renforcé tout dispositif sécurité yo tout partout nous et l'Angleterre est en déployé yon porte-avion et sous dans golfe Persique là. So basically si ta gon un avantage Iran et Iran tout envle la guerre avec les États-Unis d'Amérique. Iran connaît
tout ça le besoin vraiment pas yo pas nèg yo pas répéter so basically me penser que dans les jours à venir gen yon diplomatie pour le développer surtout l'Union européenne va jouer un rôle nan pour yo diffuser situation yo pas laisser ou dans qui mesure yo capable inviter Iran sous table négociation et résoudre problème à l'amiable pour éviter à ce que bien entendu on escalade qui pour fait jusqu'à ce que Iran ta vini trouver la situation côté que pour américain ta retalier bien fort et puis pour perdre pour régime n'a tombé et sanctions américaines sur Iran yo pas vraiment minain bon sanctions économiques là pas m'a pas prendre c'est l'américain qui baille toute l'autre état sanctions dans planète là de façon économique dans monde occident américain baille dirigeant Iran yo sanctions li frise l'argent yo li frise banque yo li frise canne nèg yo li frise même nèg dirigeant la Russie li frise nèg yo li frise l'argent nèg américain sanctionné nèg yo tout gros dirigeant ça à travers le monde. So basically, et me pense que journée jodi an les intentions ça yo me pas croire que en moun ou sous les médias va faire propagande pour Iran après les mon paquet haïtien cap dit oui je suis Iran patati patata parce que ou même ou pas comprendre vraiment ça qu'a fait donc il doit avoir un problème avec les États-Unis par rapport avec politique étrangère américaine. Politique étrangère américaine, cette tendance impérialiste que américain gagne côté que il toujours manifesté présence à travers tout partout côté le passé. Oui, aucun bon problème à ça. Ce qui est tout à fait normal. Mais pas oublier tout nous tout aussi nous gagne tendance impérialiste. Tendance impérialiste là, faut dire clair, nous même tout nous gagne tendance impérialiste depuis intérêt nous en jeu. Pas oublier. Nous t'ai occupé l'île d'Haïti pendant 25 ans avec Boyer. En plusieurs fois, nous faisons campagne de l'Est pour nous occuper partie de l'Est là, qui c'est Saint-Domingue. Est-ce que Dominique est au terrain, mais nous sommes entrés là sous territoire, nous sommes maîtrisés territoire, est-ce que au terrain, mais ça? Non, ça c'est une tendance colonialiste, c'est une tendance, bien entendu, ça a relé impérialiste, son vision impérialiste de l'État. Maintenant, est-ce que Dominique est au terrain? Non, il n'y a pas de terrain. De même aussi, depuis c'est l'État même qui trouve la situation, il y a toujours une tendance, bien entendu, pour étendre. Et c'est ça qui explique, bien entendu, qui fait la guerre. Si pas de tendance impérialiste dans chaque État qui inhère à l'État même, pour l'étendre territoire, pour étendre territoire, pour élargir territoire, bien entendu, pas bien ce qu'on appelle l'État, pas bien raison d'être, parce que tendance l'État même, c'est conquérir. C'est faire la guerre, conquérir, pousser frontières davantage pour gagner plus de territoire, pour intégrer un ensemble de territoires, pour maîtriser davantage de territoire. Et c'est un plus grand problème majeur qui explique aujourd'hui l'impérialisme en tant que tel. L'État qui n'a pas de tendance à conquérir, l'État ça lui condamné pour le mourir. C'est l'État qui est condamné pour le mourir. Et c'est ça pour expliquer ça aujourd'hui là. C'est parce que tout l'État pour exister en tant que tel, pour vivre, ce soit le créer un ennemi extérieur, faut le créer même un ennemi extérieur virtuel, pour développer la Cali, en capacité de défense militaire, et puis pour le capable, bien entendu, non seulement protéger le territoire et défendre la souveraineté, mais aussi conquérir d'autres territoires. C'est ça l'enjeu. Maintenant, à quoi servent les organisations internationales, telles que l'ONU, OEA, et instance internationale ça mais yo gon rôle majeur pour yo jouer pour yo diffuse situation de guerre pour yo diffuse pour yo permettre à ce que moun yo vini sous table de négociation l'état c'est parce que yo connaît l'état lui-même dit par nature même c'est nature l'état même l'état c'est ça qui fait observer l'état le Léviathan. Le Léviathan, c'est-à-dire son monstre l'état essence l'état même c'est ça oui c'est conquérir l'état parce que l'histoire de l'état même. L'histoire du pouvoir étatique avec la naissance de l'État moderne nous fait entrer dans ce qu'on appelle un cours histoire des idées politiques avec nous. Bon, de toute façon, ma fonti rappelle là. L'histoire de l'État même, c'est ça? Pour l'État venir à l'existence même, l'État a besoin de trois bagailles. L'État a besoin de territoire, il a besoin de population, et il a besoin de ce qu'on appelle des institutions juridiques qui pour permettre, en tant que personne morale, qui pour permettre d'asseoir, exercer autorité. C'est ce qui relève de la compétence de l'État.
Mais l'État lui-même, pour arriver dans la dimension ça, faut l'État gagner ça ou les territoires. Et c'est un élément majeur qui pour l'État, ou un territoire, ou qu'à défendre un territoire, faut une capacité militaire pour défendre un territoire. C'est l'essence même de l'État. Ou pas qu'à un bordel pour pas qu'à défendre ni. Dès pour commencer à arriver dans la dimension ça, ou pas qu'à défendre bordel et frontière, ou pas qu'à défendre territoire, c'est que vous suspendez l'existence de l'État. Parce que l'essence ou même, ou pas qu'à protéger territoire, ou pas qu'à protéger domaine de compétence, ou pas qu'à protéger citoyens qui en dedans compétence juridiction, ou pas l'État, ou si ou pas l'État faut exister en tant que État. Et ceci est tellement vrai que d'autres États a pas le mettre sous tutelle. D'autres États pas le conquérir et a mettre sous tutelle. Parce que ou pas développer des capacités militaires, des capacités de défense pour capable protéger souveraineté et pour défendre tête ou en cas de menace ou bien invasion en cas de guerre. Et c'est ça qui explique la présence américaine, comportement américain à travers le monde. Américains mettaient base militaire li presque tout partout dans le monde de façon à ce que avant même guerre arrive sur territoire, li gen tan éliminer ennemi là même dans ce côté là. C'est-à-dire présence américain jouait sous alliance, il fait des alliances stratégiques et à travers alliance ça yo li mettait base militaire li dans pays sa yo, li paye moun yo, li prête base militaire li fait des training avec yo, li fait des ce qu'on appelle des coopérations militaires, des exercices militaires, et c'est ça qui explique bien entendu la présence de l'OTAN. La présence de l'OTAN en Europe, que Poutine n'y a problème avec. Maintenant, là, moun yo rive sous médias, parce que Haïtien toujours a fait bagay émotion, parce que yo pa vle wè les États-Unis, ou on paquet moun campé sur les réseaux sociaux, a fait propagande pour Iran. Iran pas capé ton péta. Tout le monde connaît bien. Iran pas capé ton péta. Iran pas capé ton péta. Quand Iran, c'est un petit accord Iran bataille là pour voir si là j'ai un petit cob par rapport avec ce qu'on appelle les armes nucléaires, bagay enrichissement de uranium pour être capable de développer sa capacité nucléaire civile. Et c'est ça fait toujours subir ce qu'on appelle inspection. Inspection agence et nucléaire a toujours fait inspection la Cali de façon à ce que pour yokawe, est-ce que usage uranium non, li pas aller à des fins d'armement nucléaire, mais plutôt à des fins civiles. C'est ça objectif là. Mais maintenant, qui problème qui pose? Est-ce que Iran maintenant a des capacités militaires pour attaquer les États-Unis? Non! Essayons d'expliquer. Il pas les capacités militaires et les États-Unis asphyxier Iran économiquement. Iran obligé de trouver l'homme. Et c'est un bagaille avec caractère. C'est ça que les États-Unis accusent Iran à financer ce qu'on appelle les terroristes. Parce que lui connaît pas un avantage li pour le faire en guerre conventionnelle avec les États-Unis. Il n'est pas subtil. Et les États-Unis ont condamné Iran comme un État rogue, subventionné à financer ça où les terroristes. Nous avons un exemple Daesh, exemple Bagaza. Mais basically, moi-même, je pense que, en pile, nek sou rad, sous télévision, en pile, moun a parlé sous bah, parlé de, oh oui, pour la troisième guerre mondiale. C'est que, moun sa, c'est moun qui pas étudié la troisième guerre mondiale, ni la guerre, la guerre, ni guerre froide, yon pas comprendre comment elle fonctionnait, yon pense que c'est comme ça, moun fait guerre. Non. Pays pas fait guerre comme ça. Avant, pays fait guerre. Faut faire très attention pour éviter une troisième guerre mondiale. Les Américains pas lever un bon matin à l'attaquer un pays comme ça. Non. Américains pas attaquer un pays. Les Américains le plus souvent mettent un pays dans une situation tant que Irak, tant que Syrie, tant que Libye. Ils ont raison de faire ça. Ils ont bagaille, ils ont liste pays qui sous liste li, ils mettent non liste noire que le gagner. Yon après l'autre pour l'attaquer. Et c'est yon la raison qui fait que Kim Jong senti que li nan lis nan tout. Et la fait diplomatie. La je sous diplomatie pour lui. S'il ka sous son mante, s'il ka vin genou encore. Ce qui est tout à fait normal. Monsieur s'il intelligent. Il connaît bien s'il intelligent. S'il ta le fait gel, pas qu'on avantage de soi. Pas de moun ki prêt pour aller détruire un pays. Ou bien pour aller détruire une population. Pour aller entrer dans guerre avec yon pays. Et ou connaît que. Qu'est-ce qu'elle déjà pas avantage ou la fin avant de façon imminente. C'est celle haïtien qui toujours pensait qu'à un certain moment,
que pendant ce temps, on a fait tout bagaille ça, on a prélevé vivre Iran, vivre ceci, vivre cela. Bon, écoutez, on a exprimé aux gens sur les réseaux sociaux, on a fait propagande aux gens pour Iran, mais comment on a l'argent Iran, il n'y a pas qu'on est. C'est mando haïtien. Est-ce qu'on a un haïtien qui déjà allé en Iran, il n'y a pas qu'on est. Vivre en Iran. So, basically, je pense que haïtien le plus souvent, haïtien, un petit genre drôle, comportement nous, il y a des fois m'ap chercher, ouais, est-ce que il y a bon sens, non, est-ce que nous pragmatiques, ou bien est-ce que c'est émotion qui a mené nous, comprenez, ou pas qu'un haïtien pour dire oui, ou préférer Iran passer les États-Unis, c'est qu'on n'a aucun bon sens. Mais il y a plusieurs raisons qu'il ne faut pas faire ça. Un, ou situé en Amérique. Deux, 80 ou gagné plus de 2 millions haïtiens, plus de 2 millions haïtiens qui vivent en Occident, qui vivent seulement aux États-Unis. Plus de 2 millions haïtiens, diaspora haïtien. Pas une diaspora haïtienne en Iran, une diaspora haïtien là aux États-Unis, Canada, en France. Tout haïtien, ça, majorité dans yo en Saint-Domingue. Alors, les haïtiens ont parlé. Ou qui doit développer un sentiment d'injustice, ce qui est tout à fait normal. Ou capable haïtien estimer que la politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti et vis-à-vis d'autres pays, mais non, ça sont bagages, ils sont droits gagnés. Mais est-ce que ça veut dire que ou pral privé non ça aurait les un comportement irrationnel ou on prend un sens de pragmatisme non non ça a fait. On pas penser que c'est un ça ne veut pas dire pour autant obliger pro-américain ou pas de critiquer américain, ce qui est tout à fait normal. Ou bien droit pour critiquer américain. Moi-même, toujours très critique par rapport à la politique américaine. Mais ça ne veut pas dire pour autant pas pragmatique. Très pragmatique. Mais c'est comprendre américain son force liée dans la planète là. Et c'est ça qui explique que je dis en tout échec opposition en Haïti. C'est-à-dire que l'ennemi en face, ou pas chercher comprendre l'ennemi. Premier bagage, il faut chercher qu'on ennemi. Ou cherchez contre capacité ennemi, capacité d'attaque. Si me frappe, est-ce qu'elle a pris talier? Et si le talier, comment la pritalier? Est-ce qu'elle a pris talier avec un pile frappe? Est-ce qu'elle a détruit le talier? Ça, c'est pareil pour nous poser tête nous, en tant que haïtien. Mais c'est parler sur le surchauffement pour nous enrager. Parce que nous, et puis nous pensons Iran. Nous pensons Iran. Pas qu'à frapper les États-Unis d'Amérique. On pas que haïtien a fait macaque, nous pensons Iran. Jamais de la vie. Ça va exister. Et tout le monde connaît bien, ça va qu'à faire. Et Jean-Trump Donan là, si Iran ta retalié là, ta font l'autre menace encore, y a pas un Iran bien main. Ça va rien mentir la donne. OK? Maintenant, est-ce que la Chine? Oui, bon, écoutez, là c'est gros géant qui a discuté, pas oublier. Grand géant, monde qui fait partie de ça le Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Bon, oui, il y a un gros nucléaire dans le monde. Il y a une capacité nucléaire pour contrer le monde. Bon, ok, oui. Là, on peut un jugement sur les États-Unis pour dire, bon, pour quelle raison c'est sous Tipiti, les États-Unis qui force. Pour quelle raison les États-Unis pas gagné force contre l'US, contre la Russie, contre la Chine. Oui, là, on peut comprendre. Mais il y a des tensions géopolitiques et stratégiques, il y a des enjeux géopolitiques et stratégiques qui existent tout entre la Russie et les États-Unis, surtout par rapport avec l'OTAN et les missiles de défense que les États-Unis installés et dans les pays de l'Europe de l'Est par rapport avec. Il y a des tensions géopolitiques aussi et stratégiques qui existent entre la Chine avec les États-Unis et l'Occident par rapport avec, bien entendu, le Japon et Taïwan. Oh oui, bon, tout ça aussi, bagarre ou capable de chiter à poisson pour collecter des données, pour étudier, pour analyser, pour essayer de comprendre les grands enjeux internationaux, les grands enjeux stratégiques, géopolitiques et stratégiques de planétaire. Oui, ça sont d'autres bagarres. Mais ce qui est important, c'est qu'en matière de capacité militaire, en matière de capacité militaire, là où l'Iran conscient qu'il n'a pas gagné les moyens militaires, les capacités militaires pour l'attaquer les États-Unis. Et ceci est tellement vrai que l'Iran est obligé de faire comprendre que s'il a un pays pour l'attaquer actuellement, là c'est pays que c'est Israël.
Bon, c'est Israël qui prête beaucoup d'aide avec l'Arabie Saoudite qui se sont des alliés majeurs des États-Unis dans le Moyen-Orient. Maintenant, qu'on doit dire, ou qu'on doit estimer que, ou juger que les États-Unis, bon, ce sont des considérations d'ordre sentimental, on va rentrer dans le sentiment, son analyse objectivement fait par rapport, bien entendu, avec capacité militaire, présence américaine, force, bagage ça, aussi son analyse géopolitique et stratégique, on va rentrer dans le sentiment. Tout le monde qui a fait sentiment émotion, haïtien qui a monté pour faire sentiment émotion, c'est que m'estimer que bon un paquet de données que nous va maîtriser, émotion parce que les États-Unis tombés, les États-Unis crasés, ou raille les États-Unis, vous voulez dire les États-Unis vont écraser. Ça, c'est que vous comprenez, hein? Sentiment pas vous et pouvoir. Les pouvoirs sont, l'État sont monstrués. L'État sont monstrués et Américains, ça, il est de real politique là aux États-Unis. Américains très pragmatiques. Ils maîtrisent les territoires et ils comptent comment pour gérer la planète là. Ils comptent comment pour attaquer. Ils comptent comment pour fonctionner. Ils mettent présence militaire tout partout dans la planète là. Qu'on veut le comparable, Américains tout partout dans la planète là. Que ce soit en bas de l'eau là, que ce soit militarisation de l'espace en l'air, ils ont installé missiles en l'air tout. Que ce soit installation terrestre, ils ont toutes les bases militaires tout partout dans le monde. Ou ils doivent railler, les gens veulent railler, ils doivent parler, mais j'ai mené politique. Rayou, that's your right that you have. Et après, pour comprendre, pour lui, il dit qu'il y a un petit pays, donc l'Iran, pour comprendre, pour lui, menacer les États-Unis par rapport avec des guerres conventionnelles, guerre conventionnelle, là, ça n'a pas existé. Ça n'a pas qu'à fait. Et puis, mon gars, il dit au troisième guerre mondiale, menti, troisième guerre mondiale qui pourrait faire, et très bientôt, l'on va attendre ces accords, ces dialogues, ces diplomaties qui pourrait faire pour Oshita, élément général, là, mourir, mourir net. That's it. Pas de gratter tête, pas de parler en pile. C'est démocrate qui toujours brancé avec Iran qui fait Américain te perdre respect dans la planète là qu'on n'a pas rien d'autre comme ça même yo du général là mouri période so et qui qu'on y a là où tout ce monde d'apprendre tout Américain parle tout ces Trump parle tout ce monde d'apprendre puis reste toujours et puis s'attendre à qu'on a mon rend compte que Trump n'a pas dans caca avec vacabon oui Jean il vient là même quand même one way or another so basically moi c'est que l'étape bon pour Iran vient sous table négociation, comprendre, pas venir faire macaque, pas venir exposer vipère pour voir ou qu'on a pas gagné moyen. So, parler à la Russie qui a fait parler à Trump, parler avec les pays de l'Union européenne, et puis nous avons fait parler, et puis surtout de nous venir chita sous table négociation, bagay sa yo, si son mantra sous c'est maintenant, et puis quitter les grands géants de la planète négocier les grands dossiers. Comprendre? So, pas venir moi-même. Nous comprenons tout le monde. Je dis ça avec tous les amis haïtiens. Nous comprenons tout haïtien qui a une frustration vis-à-vis des États-Unis américains. C'est un droit. Mais Pigo prend sentiment pour raison. Pas prendre sentiment, pas analyser les données avec sentiment. Ok? Ou à juger politique américaine, étrangère américaine dans la planète. Est-ce qu'elle est bon? Est-ce qu'on politique américaine qui est bon, qui est juste, qui est bon? Ou pas parler de juste. Parce que vous manquez une vision machiavélique de l'État. L'État mène politique. La politique n'a rien de juste. Ou pas qu'à parler de juste politique. En politique, c'est intérêt lié. Soit parler de justice, hein, de moralité, de justice. Ou pas dans politique encore. Politique sont sciences qui ont rapport avec intérêt. Côté bagarre, il y a l'État d'où elle de elle. L'État sont bêtes liées, son comportement. C'est ça qui fait symbole, on sait de l'État. Ou pas les États-Unis, gain aigle. Et l'Angleterre, c'est lion. Et la Russie, c'est ours. C'est un ours. Et la Chine, c'est dragon. T'aimes ou bien? C'est un comportement animal, l'État gagne. L'État par une rationalisation de l'État, du comportement de l'État. C'est un bagage qui vient après, mais c'est l'animal. C'est l'animal, c'est lui-même qui détient le pouvoir. C'est ça l'État. Maintenant, est-ce que l'État a transformé en véritable monstre pour le manger petit lit, pour le manger propre? Oui! Tel que le cas nazis avec les nazis avec qui mangeaient propre petite l'Allemagne. Oui, comportement ça. Maintenant, ça sont l'autre problème qui a rapport avec droit de l'homme, démocratie, des considérations idéologiques et ce qu'on appelle les idéalistes. Bon, ça sont l'autre problème. Mais sur le terrain, la question pragmatique, la question défendre territoire, la question guerre, la question géopolitique, stratégique. Je pense que les sentiments, les émotions, ils n'ont pas de place dans l'analyse. Ils ont fait l'analyse du domaine. Je pense que je vous dis, mes chers amis, nous arrivons dans un moment que tout le monde qui a battu le problème, qui pense qu'il n'y a pas de guerre, pas de ceci, il n'y a pas de patati, tout ce n'est pas. Moi-même, je dis ça sincèrement, on ne peut pas péter.
tout ces radars, on péta. D'ailleurs, tout dispositif sécurité, ni en Iran, Amérique, quel que soit côté de la planète, là, les renforcés. Tout les vols à l'aide, là, qui est en montée, là, tout le monde armé, Amérique est très solide, là, la prétendue Iran, fait, on irait. On irait pour Iran, fait. Et je pense que ni Iran wise, yo intelligent, yo pas fait, ouais, ça, pour porter tête, yo vini comme ça, vini bas. Je pense que nèg yo pas fait, et pour mon cap dit troisième guerre mondiale, yo, pas gagne troisième guerre mondiale. C'est ton plaisir, vous me dire avec nous, salut de tout, que bon Dieu bénisse nous, à très bientôt.